Donc je suis enseignant aussi en lycée général, mais je suis aussi en charge d'une troisième DP6 en lycée professionnel. Cette classe qui s'adresse à des élèves, on va dire en difficulté, voire en échec scolaire, permet en une année de les remettre en selle, souvent, mais également de leur faire découvrir le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne, les filières, qu'est-ce que c'est qu'une STI, qu'est-ce que c'est qu'une STG, quels sont les différents bacs professionnels qui s'ouvrent à eux. On prend du temps sur l'année, on a 6 heures de découverte professionnelle dans la semaine, et pourtant ils continuent à faire du français, ils continuent à faire des maths, ils continuent à faire de l'histoire. Je pense qu'il y a une réelle méconnaissance en seconde des différents parcours qui leur sont proposés au lycée général, au lycée professionnel, mais même après. Et on attend la dernière minute en terminale pour se renseigner sur ce qu'on va faire ensuite. On est la tête dans le guidon jusqu'en terminale et on lève surtout pas la tête de ce guidon-là. Finalement, on la lève une seule fois. C'est quand on commence à connaître l'échec. Et là, on regarde à droite, on regarde à gauche, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est pour ça que cette idée géniale, qui est la troisième DP6, c'est-à-dire une troisième en lycée, elle s'adresse à des élèves en difficulté, mais il n'y a rien pour les élèves qui, eux, vont passer en seconde générale et qui vont être en échec en seconde.